Salut les gars, c'est le Grizzly. Bon les gars, on va pas se mentir, tenir une diète sur le long terme, c'est vraiment dur. C'est vraiment compliqué en fait. Du coup, moi en vrai, je me suis dit, je pense que je vais manger normalement. Juste pas grignoter, pas manger trop gras, pas faire trop d'écart, boisson, etc. Genre carrément, je pense que je vais arrêter la boisson hein, parce que boire du jus en vrai, ça sert à rien. Plus boire de l'eau, c'est mieux. En plus, l'eau, c'est bon. Mais juste quelques fois, je vais m'autoriser des petits écarts. Comme ce magnifique grec. J'ai le droit ? Si, on a réussi à trouver le code. La prochaine mission, les gars, trouvez ce pass, il se trouve où déjà le pass ? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Les gars, je vous mens pas, je suis cuit. Je suis étant. Les séances jambes, à chaque fois ça me bousille. Mais de fou, genre. Dernière rep. Ok les gars, fin de séance. Et je vais pas vous mentir, ma séance d'aujourd'hui c'était du grand n'importe quoi. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Je vous explique. De base, j'étais parti pour une séance en fonction de mon poste, du poste auquel j'occupe, au Foot US. J'avais tout préparé, sauf que premier exercice, j'ai voulu tenter l'arraché. Je sais pas si vous voyez, je vais vous mettre en image ce que c'est. J'ai voulu tenter ce mouvement, mais il s'avère que je n'ai jamais exécuté ce mouvement. C'est-à-dire que c'était impossible de l'exécuter. J'ai essayé barre à vide, super lourd. J'ai essayé avec un bâton, enfin une barre, un bout de bois, pardon. Et j'ai réussi à faire le mouvement, mais j'étais pas propre. J'étais pas propre. Et après, j'ai commencé à avoir mal au dos. Donc, impossible de continuer. Ensuite, j'ai tenté un autre exercice. Après, je me suis dit non, on va partir sur une séance jambes normale, comme d'hab. Et ça m'a saoulé, parce que, je vais pas vous mentir, j'en ai marre de cette séance. Je veux changer d'exercice. Et parce que là, j'ai l'impression que je sais plus m'entraîner. Je sais plus du tout m'entraîner, donc je vais vraiment à la maison retravailler ça pour essayer de trouver une séance qui me convient le plus entre explosivité, force et un peu de body hein, pour avoir une bonne masse. Mais là vraiment je suis saoulé de cette séance, j'ai envie de dormir. Est-ce que je prendrais pas un coach ? Je sais qu'il y a des coachs qui regardent cette vidéo. Wesh les gars, aidez-moi. En commentaire. En commentaire, aidez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Envoyez-moi des DM. Parce que là, je sais plus quoi faire. Ça fait des années, je refais les mêmes séances. Et ça me stimule plus comme avant. Et là, maintenant que je fais un sport, j'ai envie de m'entraîner en fonction de ce sport. Et pas m'entraîner comme un bodybuilder. Comme je le disais avant. M'entraîner comme un athlète et non comme un bodybuilder. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et me renseigner sur ça. Vraiment me renseigner sur le sujet pour faire mieux la prochaine fois. Faut que je mange mieux aussi, faut que je mange mieux. Ça me saoule, en ce moment je mange de la merde. Mais j'ai pas de sous pour bien manger. Vous voyez, faire de bonnes courses avec tout ce qu'il faut. Donc en vrai, je pense qu'à la fin du mois, on va se taper une bonne diète. Hein.
Non, dès maintenant, j'arrête de manger n'importe quoi. On va contrôler ce qu'on mange. Mais à la fin du mois, je m'achèterai des repas bien, bien diète. Bien feuilles, bien salade, bien lapin. Je raconte de la merde, je suis fatigué, les gars. Ah oui, et le grec que j'ai mangé, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je me suis habillé pareil, juste pour faire genre. Mais on a dit, sur cette chaîne, on se ment pas. Yeux dans yeux.